Généralement, l'homme ne veut pas avoir une seule chose en rentrant chez lui, une dispute inutile. Victor, il couvert les poissons rouges. Salut chérie, je suis en train de... Mais qu'est-ce qu'il prend? Mais où étais-tu passé? Écoute chérie. Qu'est-ce que t'as fait? Écoute chérie. Je veux que tu me le dises tout de suite. Écoute chérie. C'est bon, je t'écoute. Écoute chérie. Hein, je suis allé boire un verre chez Jacqueline après le bureau. J'étais boire un café, tu vas pas m'en vouloir pour 2 minutes. Jacqueline. Jacqueline. Toujours cette Jacqueline. Mais qu'est-ce qu'elle a plus que moi? Écoute chérie. C'est parce qu'elle habite une autre ville? Écoute chérie. C'est parce qu'elle travaille. Oh, tu travailles. Écoute chérie. C'est parce que c'est une grande blonde à forte poitrine de 25 ans? Elle a 73 ans, 3 ans en moins, et elle a un gros cul. C'est parce qu'elle a un bel appartement? Tout à fait. Quoi? En effet, quand j'arrive chez elle, je risque pas de glisser, faire une peau de banane devant la télé, ou alors je risque pas de mourir en prenant un verre qui est en plein équilibre sur l'antenne de la télé. Tu vois, y a pas ça chez elle. C'est vrai, quand je rentre chez elle, c'est propre, c'est net. Normal, je suis une proxénète. Oh. Merci. J'ai pourvu qu'elle ne parle pas d'autres pétasses. Je vais passer au magasin, j'espère. Tout à fait. Toi, t'es allé chez Mousquetaire. Ouais. Et qu'est-ce que tu attends pour me donner les courses? Bah, tu m'as dit d'aller au magasin. Je suis allé au magasin. Mais quel crétin, je lui demande d'aller au magasin, il me prend rien. Une il dit pas quoi, il dit pas. Je te jure, c'est pas possible. C'est bon, c'est pas grave. Du moment qu'il me parle pas de fioque. En plus, il me trompe avec une fille. Je commence à en avoir marre. T'es crise de jalousie. Oh. Ça que tu me fais en ce moment là, tout ça parce que je suis parti voir une septuagénaire qui... Il a un gros cul, je sais. T'as donc aucun respect pour moi? Toi non plus, tu n'as aucun respect pour moi. As-tu pensé à nos enfants? Mais on en a pas. C'est justement là où je voulais en venir. Comment? Dis-je l'air de rien. Tu me fais jamais l'amour. Pourquoi me fais-tu jamais l'amour? C'est parce que t'as un peu de poils. C'est parce que t'aimes pas faire les préliminaires. Parce que chien le regarde. C'est parce qu'un jour t'as mis le ventre dans le nez. Oui, c'est pour ça. J'ai plus qu'à marre de toi, espèce de connard de merde, espèce de petite putain de chien. De pute de gros papa, de gros lendeur de merde, on est marre de conneries. Espèce de gros chien galeux. Putain, j'en ai marre de toi. Ta mère, la grosse chienne, j'en ai plus qu'à marre. C'est un gros con de papa. Un salaud cul de sa race. Un petit caillou. On va traiter de petit caillou? Ouais. Très bien. Même si la réconciliation est agréable, il y a toujours un moment désagréable avant. Mon amour, je suis désolé, je pensais pas ce que j'ai dit. Tu es trop méchant. Mon amour, je ne peux jamais t'en. Je suis tellement désolé. Oui, je m'en veux, Tu m'en veux toujours? Putain de sœur, je te l'ai retourné la vieille. Oh, mon chou. Ah, ta gueule, va chercher mes pantoufles.